Get to there. Go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Jet de Go sur PlayStation, donc je crois que c'est le premier de la série. Il y a eu plusieurs versions, notamment version PlayStation 2, PSP et PC. Sachant que pour la version PS2 et PlayStation Portable, c'était les versions 2 hein, du jeu, c'est pas la première version. Donc, un jeu édité par Taito, et comme vous avez pu le voir en introduction brièvement, c'est l'éditeur qui a fait aussi Densha de Go, et du coup, qui dit Densha de Go dit un jeu dans la même trempe, mais bah, cette fois-ci, on va piloter un avion. Je vais tout de suite commencer par vous montrer les options, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et puis, quitte à faire une vidéo en français, bah, écoutez, vous montrer un peu comment on contrôle tout ça. On a les options de jeu, donc on peut changer le positionnement de l'écran, on a le niveau du jeu. Alors, honnêtement, je vais mettre en facile. On va se calmer. On peut sélectionner les vues de l'avion qui sont activables. Donc, on va laisser par défaut comme ça. Très bien. Voilà. On a les contrôles. Donc, les contrôles, donc, je vais vous expliquer un petit peu. Parce que c'est écrit en japonais. Alors, vous remarquerez que l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est un peu traduit en anglais, il est en japonais et un peu traduit en anglais. Et du coup, bah, il y a des choses qui sont assez compréhensibles, mine de rien. C'est pas un jeu ultra difficile d'accès à ce niveau-là, grâce à ça. Alors, on va faire un petit tour des combinaisons. Alors, vous avez les croix directionnelles qui servent tout simplement à faire piquer du nez vers l'avant, ou vers le haut ou vers le bas, avec le haut et le bas, et tourner l'avion de gauche à droite. Voilà. Vous allez comprendre que le maniement n'est pas forcément le plus réaliste du monde, mais en gros, à droite c'est pour la droite, à gauche c'est pour la gauche. Le triangle, ça vous permet de valider une action. Vous allez voir que dans le jeu, il va y avoir à de nombreux moments des actions à valider, carrément sous forme de panneaux. Il faudra les valider avec le bouton action, donc qui est le bouton triangle. Le bouton rond et le bouton croix, ce sont les boutons qui permettent d'augmenter ou baisser la puissance du moteur. Donc soit des réacteurs, soit des hélices. Le bouton carré, qui est le bouton pour freiner. Voilà, braking. C'est bizarre la traduction, mais c'est comme ça. Le bouton Select permet de changer la vue, et le bouton Start, bah, évidemment, le mettre le mode pause. Le R1 et L1 permet d'utiliser le palonnier, c'est-à-dire le palonnier, c'est ce qui vous permet en fait de ne pas incliner l'avion à gauche ou à droite, mais le laisser tout droit, mais de le faire aller à gauche ou à droite. Et enfin, L2, c'est pour afficher ou masquer l'écran d'affichage en haut, vous allez voir après. Et R2, c'est les flaps, que nous n'utiliserons pas dans la version débutante, mais sachez que dans les versions un peu plus évoluées, medium et hard, je crois que c'est quand on est en manuel, pardon, il va falloir gérer les flaps pour l'atterrissage, le décollage, et le mode cruise, qui est le mode où on avance, enfin on fait rien quoi, concrètement, on est juste en train d'attendre avant la prochaine intersection, entre parenthèses, pour changer de direction. Le sound text, le ranking, et les cartes mémoire, on s'en fiche, on va revenir en arrière. Et on va du coup commencer. Alors il y a deux modes de jeu. Le mode leçon est intéressant parce qu'il vous permet d'apprendre un peu plus bah, déjà comment atterrir, comment décoller, comment faire un vol. Donc ça c'est vraiment facile. Vous verrez, ça se pique plutôt bien. Mais c'est en japonais malheureusement. On va lancer le mode flight qui est un mode un petit peu. Enfin, j'appelle ça un peu le mode mission en vrai. Et vous pouvez voir qu'on a trois avions au début du jeu. Alors je sais pas si on peut pas en débloquer un quatrième, je pense que oui, voire même un cinquième. Donc ce sont les avions qui sont faits qui sont utilisés notamment par la JAL, d'où le fait qu'il y a marqué JR quelque chose, c'est Japan Airlines. Voilà. C'est pour ça que le jeu est ultra sponsorisé par rapport à la compagnie. C'est très japonais d'ailleurs ce genre de choses, hein. Les japonais dans les trains. Mais aussi les avions, donc ils en ont profité pour faire un jeu là-dessus. Alors vous voyez qu'il y a un niveau de difficulté. Le niveau de difficulté n'est pas forcément lié à la mission que l'on va faire, ou au vol qu'on va faire, qui ont toujours la même difficulté en fait, peu importe l'avion. C'est juste que chaque avion étant beaucoup plus lourd les uns des autres, bah, ils sont beaucoup moins maniables. Ce qui fait que par exemple, chaque avion va avoir une inertie qui est énorme, notamment le dernier. Ce qui fait que si vous prenez une mauvaise décision, vous prenez trop tard à faire un changement de direction, etc. Le temps de latence est tellement gros que bah, vous allez faire des erreurs. On va prendre le tout petit pour commencer, qu'on va laisser en automatique.
Donc automatique, il n'y a pas de gestion des flaps. Et aussi, il n'y a pas de gestion du taxi. C'est-à-dire que vous allez voir, quand on va entrer dans le jeu, je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Là, on va choisir du coup notre départ. Alors là, c'est qu'on pourra en choisir celui qu'on veut, on va prendre le tout premier, qui va démarrer du coup de Hiroshima, qui est modélisé dans le jeu, vous allez voir hein, que les aéroports sont modélisés. Alors là, ça au début, on ne sait pas pourquoi, à quoi ça sert, mais le fait de savoir le nombre de places qui sont occupées dans l'avion permet de déterminer si l'avion va être plus ou moins lourd, et donc plus ou moins maniable. Voilà à quoi ça sert tout simplement. Donc c'est parti. On va donc démarrer par un take-off, c'est la première mission, enfin, on appelle ça la mission, mais premier niveau du jeu, qui va nous faire donc décoller. Voilà. Et la carte que vous voyez de l'aéroport, enfin, vu dessus en tout cas, c'est quasiment fidèle à ce que vous avez dans la réalité normalement. Alors après le jeu est sur Play 1, donc évidemment c'est 32 bits, donc les graphismes, on en parlera après, c'est pas fou. Allez, on peut démarrer, je vais donc augmenter la puissance. On va la mettre à 100 direct. Voilà. On va changer de vue pour le jeu, c'est plus facile. Vous voyez la croix violette, eh bien, le but c'est de faire d'être toujours comme il faut. À un moment, je vais devoir lever le train. Vous allez voir quand je vais atteindre les 120 miles par heure à peu près. Voilà. Vous voyez à gauche, hop, on se lève un petit peu. Voilà, on se lève. Hop là, c'est parti. Donc on a le take-off. Alors attention au take-off de ne pas trop. Voilà, je vais essayer de suivre la croix, de me recentrer sur la croix. Là, on est bon. Là, on est centré dessus. On va la suivre légèrement. Voilà. La croix violette. Hop, j'appuie sur le bouton d'action et je valide le fait de remonter les trains d'atterrissage. Là, on va se remettre sur la croix, voilà, pour être au plus proche de ce qui est demandé. Et là, on va aller jusqu'à 1200 pieds. Et dès qu'on aura atteint les 1200 pieds, et ben normalement, on aura fini le premier niveau. Qui est pas difficile en soi, hein. Faut juste comprendre ce que le jeu demande. Mais une fois que vous avez compris le système, bah, ça sera plus ou moins toujours pareil. Donc là, on a le petit replay du décollage. Pourquoi pas, hein. Les musiques sont très sympas, vous verrez après, c'est quand même assez apaisant. Donc on a les vues, etc. On va passer à la suite. Et là vous allez voir, on va avoir un schéma qui va nous montrer si on a bien décollé ou pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu été trop haut au début. Je me suis recalé au milieu et à la fin j'étais un petit peu trop bas. Et voici la note globale. Du coup. J'ai un 89 sur 100, ce qui est plutôt un très bon score. Alors après, ça va être de plus en plus dur de faire des gros scores, puisque les missions vont être de plus en plus difficiles. Sachant que les paramètres, enfin les lignes que l'on voit là, la découpage en 20 points, c'est les vitesses à certains checkpoints, c'est l'angle par rapport à la trajectoire. Et voilà, après c'est tout ce que c'est à chaque fois. Donc on va passer à la suite. Et là du coup, on a le flight numéro 2 qui s'enchaîne. Et là, la différence, c'est qu'on va faire normalement l'atterrissage. Alors, on peut choisir où on atterrit. On va atterrir au Kansai, par exemple. Voilà. Et là, on voit que. Alors, c'est un peu bizarre. Je crois qu'il est moins chargé que tout à l'heure. Ce qui n'a aucun sens, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort en vol. Mais bon, c'est pas grave. Bon, pour les besoins du jeu, ça passe. Mais du coup, voilà, là, on va atterrir. Et l'atterrissage est un petit peu différent en soi, vous allez voir. Puisqu'il va falloir gérer sa vitesse d'approche en plus, alors que là, on accélère à fond pour décoller. Allez, c'est parti. Et dès le début, on va baisser la vitesse. Parce que comme vous pouvez le voir, on est à 240 miles par heure. Enfin, miles. Je sais pas si c'est des nœuds ou si c'est des miles par heure. J'avoue, je sais pas trop l'unité. Donc là, je vais mettre à zéro. Et je vais mettre évidemment. Le but, c'est de suivre, être au plus près si possible, et de suivre la croix violette à chaque fois, tout simplement. Ouais, bon, là, ma vitesse, elle descend. La vitesse, c'est à gauche, j'aurais compris. Et l'altitude est en bas.
Là, je suis à 181. Dès que j'arrive à 140 à peu près, je vais commencer à accélérer légèrement pour conserver ma vitesse. Bien que plus on va piquer le nez, évidemment, plus on va prendre de la vitesse, c'est logique. Hop, je rentre les trains. Enfin, je les sors, pardon. Alors, ce qui est bizarre dans ce tutoriel, c'est que vous voyez, le train, je le rentre ou je le sorte, ça change pas grand chose. C'est-à-dire que visuellement, c'est toujours pareil, ça a pas bougé. Voilà, on va redresser un peu le nez. Voilà. Bon, là, je suis un peu plus bas que la vitesse conseillée, mais c'est pas trop grave en soi. Je peux remonter un petit peu si je veux. Mais dès que je vais arriver au niveau du sol, bien évidemment, je vais baisser le moteur au minimum. Voilà, je mets le minimum au niveau du moteur et j'appuie sur le frein avec le bouton carré. Et là, vous pouvez le voir, bah, la vitesse descend assez vite. Mais c'est assez long sur la fin, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que les freins, ils sont très mordants au début et à la fin, ils sont complètement, complètement nuls. Quoi. Allez, on descend un mile quasiment. Désolé si je dis des miles, c'est pas des miles, c'est des nœuds, désolé. À chaque fois par seconde, quoi, ce qui est pas énorme. Et voilà, on a réussi à atterrir. C'était pas très compliqué, bien sûr, parce que dans un mode de jeu où c'est très facile. Alors, il faut savoir que le jeu gère la météo, ce qui fait que s'il pleut, s'il fait beau, c'est un petit peu différent. Alors, peut-être pas au niveau de la maniabilité, mais je crois que c'est au niveau de la visibilité, c'est pas évident. Notamment à des endroits où on va traverser des nuages, c'est pareil, on verra rien du tout. Mais surtout, la vitesse du vent et l'angle va nous influencer sur la trajectoire. Ça va avoir tendance à faire bouger l'avion, ce qui fait que ça va être plus difficile de tenir une trajectoire. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc voilà, on a atterri. Et du coup, on a réussi les deux premières missions. Vous allez voir, on va avoir le petit graphique. Je pense qu'on était pas mal. On va voir la note globale. 20, 20, 20. Oh là là, c'est imperfect peut-être. Oui, c'est imperfect, incroyable. Et du coup, on va avoir une note globale assez énorme. Vous allez voir, il va cumuler les deux. Et du coup, elle nous félicite en disant que c'est c'est une note plutôt élevée. Voilà, c'est plutôt un très bon score. Et un droit à une petite vidéo du J31 que l'on vient de prendre. Et ça, c'est ce qu'on avait aussi à chaque fois dans les Densha de Go. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on prenait un train, qu'on réussissait un trajet, ben, on avait droit à une vidéo de présentation de ce train, enfin, de cette ligne, etc. Sachant que, évidemment, ça ne marche que sur les consoles de salon. Parce que quand on avait par exemple Densha de Go sur la version portable comme la Neo Geo Pocket, il n'y a pas de vidéo, c'est une évidence. Donc voilà, si vous aimez les avions, bah vous aurez droit à votre petite vidéo. Alors à l'époque c'était intéressant, parce qu'à l'époque, quand je parle en 99, on va trouver des vidéos pour tel ou tel avion spécifique, ça courait pas les rues. Donc en soi c'était assez intéressant d'avoir ce genre de choses. Allez, je vais passer un petit peu pour qu'on avance. Je peux mettre mon meilleur score. Hop. Je suis très content de mon 199. J'aurais presque voulu avoir 200, mais bon. Enfin, ça aurait été quand même compliqué d'avoir la note maxi. Donc on a un game over. On n'a pas un crédit parce que c'est juste le mode flight. Par contre, voilà, ça s'affiche dans le tableau des scores. Et on revient au milieu des marées. Donc, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer. Alors, une partie intéressante, c'est auquel on ne pense pas forcément, mais c'est la dernière partie. C'est ici. C'est le. Alors, etc. C'est écrit en latin, évidemment. Et c'est très bizarre de voir ça marqué dans un jeu japonais. Alors, on a des jeux bonus qu'on peut débloquer dans le jeu, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne les ai pas débloqués, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. On a un album photo.
Voilà, donc on a l'impression que ça a bugué, mais en fait non, ça ne tient que chargé, vous inquiétez pas. Voilà, donc là on a un petit tableau photo avec les avions. Donc là on peut voir c'est le J31, le B767, le 737-400, le MD2. Ça, je pense qu'il y aura peut-être un avion à débloquer ou deux. Le 747-400, le 747 série, ce que l'on a là, le 777, le DC-10. Et là, on a les anciens airliners, je crois comment ça s'appelle, de la compagnie Japan Airlines. Et d'ailleurs, petite réflexion, je m'étais faite, et ça s'adressait à ceux qui sont très forts en aviation, notamment le DC-10. Pour remarquer que il a le comment ça s'appelle? Mon Dieu, j'ai oublié le réacteur qui est positionné en haut et sur les ailes. Et je me suis dit, mais en fait maintenant on n'a plus aucun avion qui a ce réacteur en hauteur. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est dû au fait que au niveau de la sécurité, bah, c'était pas sécure en fait, parce que le risque potentiellement c'est qu'on puisse bah, si le moteur ne marche plus en haut, peut-être que c'est plus impactant que si un des deux moteurs sur les ailes ne marche plus. Je pense que ça doit peut-être être à ce niveau-là. Ou si ça prend feu, peut-être que c'est plus compliqué à gérer, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en est, je n'en vois plus. On voit que dans les Boeing ou les Airbus, on n'en voit pas du tout. Ensuite, on peut voir les vidéos, donc ça on va pas le faire parce qu'on a déjà vu. Et le jeu est compatible avec la Pocket Station, donc ça c'est assez rare aussi pour le souligner. Alors j'imagine qu'il doit peut-être y avoir des mini-jeux sur le Pocket Station. Par contre, à quoi ça sert, je ne sais pas du tout. Est-ce que par exemple il affiche une mini-carte, est-ce qu'il affiche un truc, je ne sais pas. Et on a le guide des aéroports, ça c'est assez marrant aussi. Donc là, on va pouvoir voir en fait bah, tous les aéroports quasiment disponibles dans le jeu, mais en version photo. Donc on a le New Chitose Airport, le Tokyo International Airport. D'ailleurs, dans le jeu, il n'y a pas l'aéroport de Narita. De Haneda ou Haneda, Narita Express. C'est le Narita, parce que le Haneda existait avant. Et le Narita, justement, n'est pas dans ce jeu, parce qu'il est sorti en 99, et je crois que Narita était construit un peu plus tard, si je ne dis pas de bêtises. On a le Komatsu Airport. L'aéroport de Nagoya, le Kansai, donc ça c'est le KX. Le jour où vous allez au Japon, vous allez voir, il est marqué KX. Vous dites, mais si, qu'est-ce que c'est? C'est quoi cet endroit? C'est pas Charles de Gaulle, c'est pas Tokyo. Non, non. KX, c'est pour le Kansai International. Alors, X, je pense que c'est pour mettre trois lettres. C'est celui qui va à Osaka. On a le Hiroshima Nishi Airport, qui est celui de Hiroshima. Le Matsuyama Airport, le Fukuoka Airport. Alors, Fukuoka, si je dis pas de bêtises, c'est au sud du Japon. Et Naha, qui est sur l'île de. C'est pas Hokkaido justement, c'est une autre île. Ça va me revenir, je suis désolé, ça me reviendra plus tard. Bon, on va pas en parler dessus. C'est pas grave. Donc voilà, donc on a par exemple une description de l'aéroport. Donc on donne la date de construction, 1933, etc. Enfin voilà, 72 l'aménagement, 99. Bon, il explique pas mal de choses en japonais. Évidemment, il faut lire le japonais, c'est ça le gros problème. Et on a quelques. Voilà, on a le plan vu du dessus, ça c'est pas mal aussi. C'est quand je vous dis que le jeu est assez fidèle, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que le plan est respecté quand vous allez jouer dans le jeu. Et ça, c'est quelques goodies qui sont vendus par exemple, normalement, uniquement. Sur l'île de Naha et sur certains aéroports. Et quand on va dessus, par exemple, je sais pas, par exemple, on va là-dessus. Voilà, c'est une boisson qui s'appelle Orion, et cette boisson est tout simplement, enfin, c'est une bière, c'est une boisson qui est vendue normalement exclusivement là-bas, et à Okinawa. Donc ça permet en fait de voir un petit peu à quel aéroport vous allez pouvoir trouver tel ou tel produit typique de la région. Ça ne sert à rien dans le jeu, je vous l'accorde, mais bon, c'est toujours ça de prix, puis ça fait un petit peu de choses à découvrir, pourquoi pas. Notamment bah voilà ce petit truc sweet là à la d'Anast. Donc voilà. Allez, on va passer du coup au deuxième mode, enfin au mode le mode qui est je pense le plus intéressant quand même, le mode cruise qui est ici. Alors là, on a le mileage bank. Use, not use. Alors en fait, quand on va faire utiliser ou pas utiliser, c'est-à-dire qu'on skip une partie, mais si on fait use, on va obtenir une carte. Je préfère vous l'expliquer avant parce que ça, c'est bref le moment où il le fiche. Mais cette carte, en fait, c'est votre carte de pilote, hein, tout simplement. Ça va vous donner votre niveau dans le jeu.
vos records dans trois niveaux de difficulté, et en tout cas dans les trois modes. Et deux, trois autres infos aussi. Donc on va faire utiliser, tant qu'à faire, sinon vous ne le verrez pas, donc je préfère vous le montrer. Et ces points miles, eh ben en gros, vous allez les perdre ou en gagner suivant ce que vous allez faire pendant vos voyages. Il y a des voyages, ben, quand vous faites des erreurs, vous allez perdre des points. Et quand vous êtes perfect, ben, vous n'en perdez pas. Allez, on va mettre notre pseudo. Je sais que c'est la meilleure partie, c'est ce que vous adorez. Voilà, Atian. Hop, avec le N ici. Et on va faire OK. Et ici, bah, la version Trigram, donc c'est toujours à compliquer. Et on fait OK. Par contre, je crois pas que vous puissiez écrire en langage étranger, enfin étranger, en alphabet quoi. Voilà, la carte, ce que ça donne, ça va être très court. Vous voyez, 0 en bas, 0, 0, 0. Si on réussit le prochain, vous allez voir, on va inscrire un meilleur score sur la carte. Allez, c'est parti, on va prendre cette fois-ci le deuxième avion, le 767-300, qu'on va garder en automatique. Je préfère, je vous le dis, éviter de mettre trop de difficultés, tout simplement, parce que sinon, bah, si ça ne marche pas et qu'on se plante, on va recommencer, on va perdre du temps. Le but, c'est de vous en montrer un maximum. Donc là, on peut choisir les vols, donc voilà, Tokyo Kansai, etc. On va prendre le premier, et on peut voir les miles, ici, tout ça en la valeur. Alors, je crois qu'à 138, c'est la longueur du vol. Donc on va prendre Tokyo Kansai, le tout premier, qui part à 6h30 du matin, si je dis pas de bêtises. On peut voir si... voilà. Et là on a le trajet qui va nous être montré en temps réel. Donc on a des points de passage, et je me suis toujours posé la question, pourquoi il y a des points de passage? C'est pas comme si c'était un train ou un taxi qui devait faire des arrêts, des pauses pipi, prendre des gens au passage et récupérer, parce que je crois pas qu'il y ait des gens qui sautent en vol de l'avion ou qui sont droppés dans l'avion, ça n'existe pas. Donc soit c'est un couloir spécifique, mais je me dis on perd énormément de temps, regardez le couloir, on fait tout le tour, ça n'a aucun sens. Alors peut-être que, et ça encore, les gars qui connaissent l'aviation vont m'expliquer, peut-être que c'est pour éviter de passer par des montagnes et éviter justement en cas de problème qu'il y ait des risques. C'est peut-être pour ça qu'ils font le tour. Je ne sais pas. Alors par contre, on a un avion qui est complètement blindé. Les 270 sièges de l'avion sont pris. Et là, je vais me taire. On va faire la place de démarrage pour que vous ayez le son du jeu, parce que c'est assez immersif, mine de rien, niveau sonore, donc c'est plutôt intéressant. Je vais me taire jusqu'à ce qu'on soit stabilisé en vol. FM ラジオなどは操縦室内の電子機器に影響を及ぼす可能性があるためご使用をお控えください。夜間の離陸に際しまして一旦照明を暗くさせていただきます。読書をお続けのお客様はお手元の読書灯をお使いください。Voilà, donc là on est en vol maintenant. On est en mode automatique, donc du coup il nous a un peu fait spawn devant les points de contrôle, les points de passage. Donc là c'est pareil, l'idée c'est toujours la même, c'est de suivre du coup la petite flèche violette pour être parfaitement dans le point de passage qui est ici. Et vous allez voir, en bas à droite il y a une carte, et on va commencer à tourner dès le début en utilisant le palonnier pour se placer dans le prochain point de passage.
Et je vais lâcher assez rapidement, vous allez voir. Voilà, là je relâche le palonnier. J'ai relâché tellement tard que vous voyez l'inertie de l'avion. On est déjà en train d'aller trop loin par rapport au marqueur. Et ça encore, c'est pas trop grave. Voilà, je vais me replacer sur la fin, sur le marqueur, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, j'ai aussi débloqué. On peut aussi afficher, mettre de la musique, pardon, pendant le jeu. Attendez, je vais me replacer au bon endroit. On peut s'aider donc de la carte en bas, vous voyez le chemin en violet. On est pas mal, on va redresser au fur et à mesure. Hop. Du coup, on va passer à la suite. Alors, je vais faire start dès qu'il m'aura mis au bon endroit. Voilà, et ici on peut faire BGM et le mettre sur 1, 2, 3. Et en fait, quand on va mettre 1, 2, 3, c'est juste pour avoir la musique. Et on peut afficher la carte de vol pour voir où on en est. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et dorénavant, on a la petite musique maintenant pour nous accompagner pendant le vol. Parce que vous doutez bien que si on fait pas ça, c'est un petit peu sommaire. Alors, on va s'arrêter rapidement un petit peu au point des graphismes. Bon, on est sur 32 bits, donc évidemment. C'est pas super bien fait, jusque là, je pense qu'on est d'accord. Voilà, donc comme on est stabilisé, on peut enlever, les gens peuvent enlever leur ceinture de sécurité dans l'avion. J'adore quand on leur dit ça pile au moment où je dois tourner, mais bon, c'est un autre détail. Du niveau des graphismes, comme vous pouvez le voir, c'est très sommaire. Alors évidemment, on est en plein dans la nuit, etc., avec les nuages au-dessus de nous, etc., en dessous de nous. Donc le jeu est assez médiocre, graphiquement parlant, hein. C'est pas fou. Mais c'est cohérent. Il y a des niveaux de transparence qui sont plutôt bien rendus au niveau des nuages. Donc là, on va passer au prochain checkpoint. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le jeu applique la carte du Japon en dessous de nous, réellement. C'est-à-dire que là, par exemple, si on est au-dessus de la mer, on n'aura rien du tout au niveau du sol, on aura de l'eau. Et si on est proche d'une lagune, ou on est proche d'une ville, ou on est proche d'un bout de terre, eh ben, on va l'avoir comme ici en bas. Ce qui fait que le jeu est réaliste à ce niveau-là. Ah, vous voyez, je suis censé tourner, je vais le tourner maintenant. Encore une fois, vous voyez, j'ai trop d'inertie. Ce qui fait que bon, déjà, je suis pas droit. Et en plus, j'ai pas eu de la vitesse parce que je suis trop haut par rapport au plan de marche. Donc là, je vais baisser un peu le nez de l'avion. Alors évidemment, je peux changer cette vue et prendre celle-là, hein, si je veux. Mais elle est beaucoup plus dure. Par contre, vous pouvez vous rendre compte que je ne gère pas la puissance. Elle est toujours à fond. Parce que bah, je pense que je considère que là, de toute façon, le but c'est d'aller le plus vite possible dans tous les cas. Donc on n'a pas besoin de changer la vitesse. Pour l'instant, je m'occupe que de la direction de l'avion. Et d'appuyer sur la touche d'action au moment où il se passe un truc, tout simplement en orange. Hop là, on arrive à la deuxième partie, Kushimoto. Alors je rappelle qu'on va s'arrêter au Kansai, donc le KX dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous verrez la particularité de cet aéroport qui est assez différent de... Bah, pas de tous les aéroports non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'aéroports qui ont la même spécificité. Mais bon, vous allez voir.
je laisse profiter un petit peu de la musique du jeu, qui est très très douce. Vous voyez, le décor en bas a changé, hein. On n'est plus tous sur le même style de décor. Et puis en plus, comme on a avancé dans le temps, et bien au niveau de la météo, maintenant on est quasiment plus dans la nuit, hein. C'est presque le jour. Il y en a un vent de 7 nœuds. Je pense que là c'est en nœuds. Alors si je veux réussir le maximum de points, il faut que je prenne le point de passage avec la bonne vitesse, notamment 459 ici. Et je pense que ça doit être des nœuds parce que... Non, des mails, parce que si on fait des mails, ça fait 1,6. Je sais qu'en mail, les avions, les porteurs, enfin les gros avions en ligne comme ça, en général, ils ont tendance à prendre leur vitesse de croisière dans les 900 km/h à peu près. Donc si on fait 1,6, bah non, même pas, c'est plutôt lent, je trouve. C'est bizarre. Oubliez ce que j'ai dit, c'est un peu bizarre. Peut-être que c'est en nœud. Je connais pas la valeur du nœud. Alors, on va arriver bientôt vers la fin du vol. Si j'avais mis en manuel, ben on aurait fait ça en quasiment temps réel, si je dis pas de bêtises. Là, on est... Là, on est beaucoup plus rapide, évidemment. Donc là, c'est assez simple. On a deux fois aller quasiment tout droit. Oui, on voit pas grand chose. Dans le cockpit, il se passe pas grand chose. Les flaps, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de les utiliser dans ce mode-là. Et oui, j'ai les points miles affichés hein, en haut, à gauche. Et pour l'instant, je n'ai rien perdu. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai fait aucune erreur. Et donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, on est bientôt arrivé sur la phase d'atterrissage, donc on n'y est pas encore. On y est bientôt, mais on n'y est pas encore. Alors bien évidemment, vous aurez compris que c'est un jeu qui s'adresse aux passionnés d'avion, même si le jeu a très très mal vieilli en termes graphiques, etc. Maintenant, on a fait le simulator, donc il n'y a pas grand intérêt en soi à acheter ce genre de jeu. Hop là, il va falloir remettre la ceinture. Parce qu'on va bientôt entamer la phase d'atterrissage. Regardez, on est sur la côte. On est sur la côte. Normalement, on est bientôt arrivé face au point. Oh, il est là. Alors c'est assez étonnant par rapport à la ligne violette parce que j'ai l'impression que justement on coupe la ligne mais on n'est pas dedans. Là on va prendre la vitesse en tombant un petit peu l'avion, voilà. Il faut être à 459 et on est à chaque fois toujours en dessous, on n'a jamais réussi à faire une bonne vitesse d'approche. Et on est presque arrivé pile. Et on va arriver du coup à l'aéroport du Kansai. Donc, l'atterrissage maintenant. Regardez comme ça tombe d'un coup. Voilà, donc là je dois être à 167. Donc les moteurs, bouf, on les fait tomber d'un coup. On va essayer de se recaser face... Alors vous voyez les points blancs et points rouges. Au fond, c'est la piste d'atterrissage. Simplement. Donc on va essayer de la suivre. Hop, on sort les trains. Five hundred.
Voilà la piste, on n'est pas loin devant. On va baisser le nez comme demandé. On baisse la vitesse parce que là on est en train de plonger légèrement. On va essayer de se mettre bien droit sur la ligne d'arrivée, la ligne de. Et là, on va du coup arrêter le moteur. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur la ligne blanche. Enfin, je ne dis pas où il faut s'arrêter, mais je crois qu'il faut s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et on va du coup lancer le message pour les hôtesses pour dire qu'on est bien arrivé. Et du coup, on a réussi le vol, normalement sans encombre, je pense pas avoir perdu trop de poids. Avec l'atterrissage, voilà. Bon, l'atterrissage est assez simple. Le jeu n'est pas simulation en soi en termes de maniement, vous avez bien compris, on joue à la croix, on fait que suivre une flèche. Il est un peu simu dans le sens où voilà, il faut respecter les codes, il faut faire ça au bon moment, enfin il y a quand même une trajectoire à suivre, faut pas faire n'importe quoi, c'est très dirigé comme jeu, mais en soi c'est pas simulation. Ça reste un jeu de console, même s'il est sorti sur PC d'ailleurs, mais ça reste un jeu typiquement fait pour la console. Donc voilà, on a droit à un petit replay comme d'habitude. Alors je m'arrête rapidement parce que nous, comme ça, j'en profite. Vous remarquerez qu'on a atterri sur une île, on n'atterrit pas directement à Osaka, il n'y a pas d'aéroport, enfin en tout cas pas celui-là, mais pas à Osaka. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous allez au fond, vous devez prendre une navette. Il y a un pont qui traverse ce bout de terre artificiel. Enfin, artificiel, c'est basé sur un bout de terre d'une île qui a été agrandie. Et si vous regardez au fond, on peut voir légèrement le pont qui se dessine au fond à droite pour rejoindre la terre, pour rejoindre le Japon, enfin, la vraie péninsule, quoi. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. On a donc fini, on va voir le score final. Donc là on a réussi le décollage, pas de points perdus, les points de passage on les a zéro, on n'a fait aucune faute. J'espère que je me suis bien arrêté, pas trop loin, et non voilà, 3, 2, la distance je perds 3, 3 et 2, donc je suis à 273, mon score final est donc de 273 pour ce vol. Ça fait donc 273 points sur les 278 possibles. Et du coup voilà, c'est inscrit en bas, 273, et je suis copilote B. Voilà, c'est tout. Ce qu'on a sur notre carte de pilote. Et là, bah écoutez, on a une vidéo du 767. Si vous adorez les avions, profitez-en, c'est le moment. Je vais passer en fait parce que dans le jeu dès le début, je crois que vous avez le droit de voir cette vidéo, donc vous n'êtes pas obligé de finir la mission pour la voir. Par contre, je vais vous montrer les crédits de fin avec une musique qui est vraiment faite pour le jeu, vous allez voir. On va passer à la suite. On va voir les crédits. Je vous laisse écouter un petit peu. Et puis on va dans le menu juste après. Thank you.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, évidemment, je vous laisserai écouter le titre entier si vous voulez, hein, il est sûrement sur YouTube. Voilà, donc une musique est quasiment faite pour le jeu, c'est incroyable encore. Et du coup, on a le game over. Une fois qu'on a terminé la partie, comme dans beaucoup de jeux de Densha, enfin de Taito. Et on va se retrouver du coup au menu principal. Qu'est-ce que je pourrais faire comme anecdote? Apparemment d'anecdote, donc là on a le score final, qui est quasiment parfait. On va pas se la péter, mais c'est un peu le cas, effectivement, parce que 3 points perdus, c'est pas beaucoup. Voilà, jet de go. Alors les musiques sont un petit peu différentes dans ce mode par rapport à la version 2, auquel on joue un jour nous le jouerons. Là, c'est un peu, la version est un peu plus moderne au niveau de la musique, ça fait un peu plus, entre parenthèses, techno dans la version 2. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, c'était donc Jet de Go, Let's Go by Airliner, un jeu donc sur Play 1, sur la console de Sony en 32 bits. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!